On ouvre ce morning call avec la Tunisie où la contestation sociale ne faiblit pas. Les jours passent et depuis plusieurs jours déjà, de nombreux Tunisiens, en majorité des jeunes, protestent dans plusieurs villes du pays. Résultat, plusieurs arrestations et un mort lors d'échauffourées avec les forces de l'ordre. Alors, quelle est la cause de cette colère populaire? Une loi, la loi de finances 2018, votée par le gouvernement et qui a entraîné une hausse des prix au 1er janvier. La situation économique en Tunisie est au plus bas, avec un taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes. Et avec ce budget 2018, le gouvernement demande en quelque sorte aux Tunisiens de se serrer encore plus la ceinture. Écoutez les réactions du ministre des Finances dans ce sujet. La Tunisie fait face à une grogne sociale depuis quelques jours. Dans la nuit de lundi à mardi, un homme est décédé à Tebourba, au sud, dans des circonstances non encore élucidées. Au centre de la contestation, les mesures d'austérité annoncées par Tunis, les populations redoutent une hausse des prix des denrées alimentaires. Le gouvernement tente de rassurer. Les taxes ne touchent en rien le panier pour tout ce qui est produits alimentaires et autres, puisqu'ils sont hors champ TVA. Le gouvernement, qui reconnaît le droit à la manifestation, appelle les populations au ressaisissement face aux défis économiques du pays. Parmi les acquis de la démocratie, c'est qu'il a la possibilité de s'organiser, la possibilité de manifester, mais aussi on a l'obligation de travailler pour que l'économie tunisienne soit une économie saine, une économie où cette croissance qui pointe du bout du nez en 2017 se consolide davantage. Depuis le printemps arabe en 2011, le mois de janvier donne lieu à des contestations en Tunisie. Des manifestations se sont propagées dans au moins 12 villages à travers la Tunisie lundi, y compris dans les hubs touristiques de Sousse et Hammamet. Des témoins ont rapporté que la police a tiré des gaz lacrymogènes dans deux districts à Tunis hier et également dans une foule réunie dans un supermarché. Des affrontements ont également éclaté à Terbouba, une ville située à 40 km à l'ouest de Tunis, où un manifestant a été tué ce lundi. Des affrontements ont également été signalés dans une ville du centre du pays, Jelma. Et puis hier, le principal parti d'opposition a appelé à des manifestations contre les injustices du budget 2018, y compris l'inflation et la hausse des taxes. Le dirigeant du Front populaire, Hama Amami, a dit que le gouvernement a injustement ciblé les plus pauvres et les classes moyennes avec ses mesures d'austérité. La colère publique a été amorcée dès le 1er janvier de cette année lorsque le gouvernement a augmenté le prix de l'essence, augmenté l'impôt sur le véhicule, les appels téléphoniques, l'accès à l'Internet et l'hébergement en hôtel dans le cadre de réformes visant à relancer l'économie. En ligne avec Zineb Benzita, qui est notre correspondante à Tunis. Bonjour Zineb. Alors ces manifestations durent depuis dimanche, mais elles ont soudainement pris un tour violent. Pourquoi ? En effet, alors ces manifestations se sont poursuivies dans plusieurs régions du pays et ont dégénéré notamment dans la petite ville de Tebourba. Donc c'est une localité de la wilaya de Menouba, proche de la capitale. Au moment de l'enterrement du jeune protestataire décédé lundi soir, les forces de police ont empêché les jeunes d'assister à l'enterrement si ce n'était l'intervention des militaires pour leur permettre de se joindre au cortège funéraire. Alors, c'est en Tunisie que le printemps arabe a commencé et dans quelques jours, le 14 janvier, ce sera le 7e anniversaire du départ du président Ben Ali. Est-ce que ce mouvement social qui a lieu actuellement inquiète ? Ces mouvements sont les porte-parole du mouvement On n'attend pas. Ne vont pas s'estomper de sitôt. D'autres mouvements de protestation sont annoncés pour la semaine prochaine, comme le rendez-vous qui donne rendez-vous le 12 janvier devant la wilaya principale de la capitale Tunis et d'autres wilayas à travers le pays. Alors, on l'a dit, la situation économique de la Tunisie est au plus bas et le gouvernement a mis en place plusieurs réformes. Comment est-ce qu'elles ont été accueillies par les Tunisiens ? Ces manifestants de part, le pays ont manifesté lors
mécontentement vis-à-vis des nouvelles augmentations des prix et des taxes. Ça, c'est évident. Pour l'heure, ils n'ont pas évoqué ces réformes en question, en fait.